Et bienvenue dans ce 24e jour du challenge de l'entraînement des super-héros. Aujourd'hui, on fait l'entraînement de Skyfall. Donc, je vais faire les exercices avec vous. Aujourd'hui, la séance est un peu plus courte, 6 exercices seulement. Par contre, il demande à ce que ça soit intense. Donc, ça va faire autant travailler que si on faisait 9 exercices. Donc, ça va être un petit peu dur aujourd'hui parce que j'ai des courbatures à la fesse gauche. Je commence à avoir des crampes hier. Et bien voilà, j'ai des courbatures, j'ai pas très bien récupéré encore. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va faire ça ensemble, comme d'habitude. Je vous explique les exercices pendant la séance. On y va directement. On va démarrer avec 40 montées de genoux rapides. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin d'une chaise pour la séance. Vous pouvez pas me mettre en pause et je prends une chaise. Allez, 40 montées de genoux rapides, c'est parti. Hop, on y va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 35 et 40. Donc ça c'est fait, premier exercice déjà, ça nous met en condition. On ne va pas récupérer des masses, on va se mettre direct pour faire 40 mountain climbers. Donc on se met en position pompe et on va ramener genou vers la poitrine. 1, 2, 3, je compte tous les 10. 10. 20. 30. 40. Impeccable, deuxième exercice c'est fait. On va enchaîner avec 10 pompes déclinées. Donc on prend une chaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pieds sur la chaise et on va faire nos pompes habituelles. Donc on en a 10 à faire. Hop, on met en largeur de hanche qu'on préfère, largeur d'épaule, pardon, on y va. 1, je vais caler un peu mieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour les pompes façon Skyfall. Donc on va enchaîner avec 40 squats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pieds largeur de bassin. On va pousser les fesses vers l'arrière. On descend, on inspire, on souffle en montant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sens, ça travaille sur la courbature là. 13, on y va tranquillement, en tout cas moi tranquillement. 15, le tout c'est d'arriver à 40. 16, 17, 18, 19, 20. On en fait à moitié, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, plus que 10, 31, 35, 39 et 40. Impeccable, on a fait les squats. Donc maintenant on va passer aux abdominaux. Donc vous allez avoir besoin de tapis. Je vais me prendre le tapis, je vais à côté. On met la chaise. Hop, c'est parti. Je vais me rapprocher. Donc à partir de là, on va faire 10 relevés de jambes. On va s'installer sur le tapis, sur le dos. Hop. Donc moi je mets mes mains un peu sous les fesses pour aider les lombaires à rester bien calés contre le tapis tout l'exercice. Et on va faire 10 relevés de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Et dernier exercice, les abdominaux essuie-glace, vous le connaissez. Je vais mettre l'installer un peu mieux. De façon à ce que ça soit plus visuel pour vous. Là, tapis face à vous. Et on va y aller. 10 abdos essuie-glace, on se met comme tout à l'heure sur le dos. Sauf que là, au lieu de descendre les pieds en bas devant soi, on les descend sur les côtés. Allez, 1. Et 1. 2. 2. On ne va pas descendre trop bas, sinon on ne pourra pas remonter. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Je repose un peu. J'ai pas la force dans les abdos là. Hop là, 8. 9. 9. 10. 10. Ok. Et voilà, vous avez fait un tour avec moi de l'entraînement de Skyfall. Donc moi je vous cache pas, je fais le niveau débutant 3 tours. Si vous voulez viser du niveau intermédiaire, il faut faire 5 tours de tout ce circuit. Et si vous voulez du niveau champion, il faut faire 7 tours. Donc je vous dis bon courage, bonne séance et à demain pour un nouveau challenge. Salut !